Je vais aller bouger ma voiture et puis Oui, bah, il faudra que je t'envoie ça. Ah bah, oui. Encore en dessous? Cherchez. Vas-y. Ah là. Ouais, ouais, le calendrier. Oui, parce que le nono. À retenir tous vos prénoms ce matin, mais comme c'est marqué sur votre bouton, ce sera facile, ce sera plus facile. Est-ce que vous avez discuté avec vos copains qui sont venus hier, peut-être, non? Alors là, on cherche. Alors vous l'avez trouvé. Là, on cherche pas. Alors, c'est avec qui, Lubin? Regardez la couleur. Bravo. Oui, bravo. Il faut chercher. Bravo. Triton. Les tritons sont donc des animaux comme la grenouille et le crapaud qui ont une œuf à l'arrière du corps. Qu'est-ce qu'ils ont à l'arrière du corps? Et dans l'eau et dans la forêt, dans les deux endroits. Et une route. Donc quand ils se déplacent pour aller pondre leurs œufs dans l'eau, ici, ils se font écraser. Nos crapauds, nos grenouilles, nos tritons, les amphibiens qui vont descendre, vont être coincés par le filet. Ils vont aller à droite ou à gauche. Et ils vont tomber dans des seaux. Hein. Alors il est là? Oui, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4, effectivement, c'est marqué. Est-ce que dedans, vous voyez les amphibiens? Et tu vas aller le chercher en dessous. Attention, les crapauds ont très peur. Ils ont des très grandes oreilles qu'on ne voit pas, mais... D'accord. Attention, Merlin.
Attention, mets ton autre main par-dessus pour le protéger. Tu peux te mettre debout. Mais tu peux te mettre debout. Hop là, c'est bien. Et tu peux... Alors attends, on va le faire. Bon... Alors on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de dire. Voilà. Alors, t'as dit un crapaud ou une grenouille alors? Oui, un crapaud. J'ai vu les yeux oranges. T'as vu les yeux oranges? Votre petit doigt, le caresser. Allez, on se met en ligne. Mais il faudra se mouiller les mains. Tout doucement. Moi, je vais prendre. Tout doucement. C'est comme le chat. Oui, là, il bouge, il aime bien. Il a des grosses griffes. Allez, Mano, tu veux le prendre? Alors, tu mets tes mains comme ça. Et il va te le prêter. Mais si, elle veut y aller aussi. Ouvre tes mains, tout doucement. Voilà, bravo. Voir que Madame Crapaud est en dessous de Monsieur Crapaud qui est au-dessus. Madame Crapaud a plein d'œufs dans son ventre. Donc elle est plus grosse. C'est bien. Les mâles crapauds chantent, alors que les femelles ne chantent pas. On compte sur la femelle. Vous entendez chanter? Oui. Alors on va mettre l'autre mâle aussi. Top. Regardez la femelle, j'espère qu'elle va trouver l'eau. Elle y va vite. Elle va pondre ses œufs dans l'eau. Tant qu'elle n'est pas dans l'eau. Hop là, oula, 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 lui aussi il veut. Les femelles ne sortent pas tous les ans. Oula là. Et vous savez qu'on peut, on peut lui dire bravo, hein. Donc, voilà. Allez-y qu'on les regarde. Regardez devant vous les enfants. Là, hop, on va descendre voir le Le troisième, il est où? Il a suivi. Non, il est parti de l'autre côté, là-haut. Ah oui, il est là. Est-ce que j'ai eu le temps de lui marcher? Oui, c'est... Ah mais là, il y va quand même direct. Hop là. J'ai foulé cette terre et ces gouffres de mer à coups de pédalo ou de chaîne à vélo. C'est promis cette fois, ce sera la dernière. On est des bouts de bois, on est des bouts de verre. On s'amarre, et quand on en a marre, on se noie dans la mare pour que ça redémarre.